Hi guys, it's Mark from the SAGH 68 in France. Today we're gonna test the E-Reminator with 18S. First time was a 12S with not the full power. This time we're gonna go to full power with 2x 80S because I have two SSS 5630 can 360 kV motors. I can go up to 500 kV with the same amount of voltage because even the 500 kV motor takes 90 volts, so it's not a problem. I can gear it up. We make here something totally different that the Reminator brushless conversion setup they have already on the market. We have two motors and we use here an FG cash drive in the truck. I have steel here a plastic main gear because I prefer to break tools from the plastic main gear if something went wrong, because we have the mechanical brake, we have the mechanical backwards, we have two air snake to up to 22S ESC 200 amp each. It's way enough, we don't need so much with that power, and we are just the installation is not finished, it's just something for test. We have here three 6S Gensase ATC 5000 and 600 milliamp battery. Once we have made this test run, if it's okay, we're gonna lower the LiPo tray. We're gonna put the LiPo maybe a little bit here underneath to go down with the weight, but we're gonna keep when it's possible three LiPo in the front and three LiPo in the rear, so we have a center weight distribution. I have lowered here the springs rate because it's really better now, so to drive it's really smooth. We have the start power at medium point, we have no timing on the motors, and we're gonna see how long we can drive. Normally the top speed is maybe not at the point we want. We want to reach 50 kilometers an hour. We're gonna see if it's enough. And the original Reminator conversion has a clutch. This is cool. I like the idea of the clutch, but I not like the idea from one only single 500 kV motor with only 10,000 in 8S. He has not 10,000 watts. That means he has maybe 5 or 6 horsepower for 14 kilogram. Here we get out at 20 horsepower for 40 kilograms. This means a half horsepower for each kilogram truck. The goal is not to go fast, but to have a cool life for LiPo motor, no heat issue, no nothing. We don't need no water cooling and that stuff. It's a cool idea. I love it. Maybe I'm gonna try it also to check the difference. But maybe I go to a 230 kV motor with 20S instead of one 8S setup. It's would be way better for the amp draw, because here also we want to reach a nice runtime. So let us drive this truck. We see this in a moment. I put we'll check up the electronic, put the body on, and then we're gonna begin to drive. Hallo Jungs, hier ist der Marc von der SAGH 68. Heute fahren wir den E-Ram mit 2x18S 360 kV SSS Motoren. Ich kann 500 kV reinbiegen mit denselben S-Leistung, ist kein Problem. Wir wollen so um die 50 fahren, wir wollen eine coole Laufzeit, wir wollen keine Hitzeentwicklung an LiPo oder Motoren. Das ist ja ein Plauschauto, kein Wettbewerbsauto. Wir müssen da nicht zu viel machen dran. Nochmal kurz wieder reingucken für die, die es verpasst haben. Wir haben zwei AirSnake ESC bis 22S jeder. Wir haben 2x3S Gensase 80C 5600 mAh Batterie darin. Die zwei SSS Motoren 56x114. Hier haben wir eine FG Zahnrad drin, FG 44 Zahn, 20er Motorritzel. Wir haben den Cash Drive, wir haben die Kunststoffzahnrad, weil ich habe lieber einen Bruch am Zahn als am Getriebe. Wir haben ja die mechanische Bremse dran, das ist kein Problem. Und wir haben auch einen mechanischen Rotorgang drin. Vierradlenkung machen wir nicht, weil das Ding ist schon genügend wendig, und wenn du Gas gibst mit Hecklenkung, dann geht es schief, ist klar. Weil gegenüber ein echtes Auto kannst du hier hydraulisch oder mechanisch die Steuerung nicht voll sperren und du hast dann zu viel Spiel auf der Gerade, ist klar.
So, ich mache jetzt das mal alles zusammen und dann fahren wir eine Runde. Ich möchte gerne die ganze Batterieladung durchfahren. Bis gleich, Jungs. Salut les mecs, c'est Mani pour le test du ERAM. On a mis deux fois 18 S à bord, 360 kV par moteur. On peut grimper à 500, on peut changer l'étagement du pignon. Contrairement à la fabrication d'origine du ERAM qui est uniquement en 8 S avec un seul moteur, ce qui est fou pour 40 kg, qui a un refroidissement liquide. L'idée me plaît, franchement ça me plaît. Mais on l'a vu dans le Lozi 5T, entre 14 et 16 S on est bien, avec 18 kg on a deux fois un Lozi 5T ici, c'est pour ça qu'on a deux fois ce setup. Le but c'est 50, je sais pas encore si on va les atteindre, mais on a vraiment réduit à mort parce qu'on voulait pas commencer trop fort les efforts. On a toujours la couronne plastique FG dedans, au pire on pète une dent sur la transmission avant de péter quelque chose sur la transmission métal elle-même, ce sera beaucoup moins cher. On a toujours les freins mécaniques, on a le failsafe, on a tout ce qu'il faut. On s'est mis un endroit tranquille, ici on a un peu de sable, on a 2-3 bosses, on va y aller cool pour les premiers tests. J'aimerais passer le pack complet, pour voir aussi ce que ça donne niveau autonomie et chauffe, parce que eux en 8 S d'origine, avec un seul moteur 500 kW, évidemment tu peux mettre des batteries de maintenant 11 000 mAh, mais ouais, tu auras toujours ce problème de chauffe, et puis ouais, moi j'aime que c'est simple, alors avoir un refroidissement liquide en plus, surtout que le kit de conversion coûte très cher, on est à 1 500 $ le kit de conversion, on a dépensé moins pour préparer ça. Et on va voir ce que ça donne. Parce que aussi, niveau des watts, le moteur 500 kV uniquement en 8 S sort peut-être 5 ou 6 chevaux. Là, on s'approche des 15-20 chevaux. Ce qui devrait être beaucoup plus sympa avec 40 kg. Évidemment, il faudra y aller mollo sur les gaz pour ne pas flinguer la transmission. Bon, on est parti les mecs. So, Jungs, es geht los. Are you ready, guys? Look at this. This is the difference between a clutch and a direct drive with the brushless motors. We have two 10mm axle on the motor, so I have no fear to damage the rotors. Vous avez vu ça? Aucune secousse, ni rien. C'est sûr que l'embrayage peut débrayer et du coup, pour embrayer, fais ça comme tu veux. Et tu te retrouves avec les moteurs libres, donc pas de stress sur les rotors. D'un autre côté, si le moteur prend quelques milliers de tours minute, et après l'embrayage s'enclenche, il prend aussi une baffe. Il y a juste le... C'est surtout freinage évidemment que ça économise les moteurs avec l'embrayage. So this is crawler. Also wir können da locker schneller fahren mit dem Ding. Baum. Oh, ich sehe die Marche arrière. So, we go to backwards. Nice and smooth. Thank you.
Comme les deux moteurs électriques ont un couple dingue, tu vois, on a un petit frein moteur bien sympathique. J'ai toujours pas encore utilisé les freins jusqu'à l'instant. Hein. De gaz. So it's super nice to control to popping really or not. So we are really, really cool radiator at the throttle. Oh, I forget, I have the mechanical brake. It's not like a normal, so I cannot take it down easy with brake. Ah, le freinage, hein, il est brutal, mais tu vois, c'est pas comme avec les moteurs électro. Tu les arrêtes pas net pareil. Eh, donc ça réagit plus, on va dire, au décollage comme un deux roues motrices. Okay. Si on part trop haut, va falloir freiner au moment de décoller. So, motor temp, a joke. Température moteur, une farce. Oh,
It's really easy for the motors and les moteurs, ils peinent pas du tout, hein, pour eux c'est une farce. No! We're gonna surely step up with the gear, with the gears. It's not mine, so I'm not gonna try it. Ah, si c'était le mien, ouais, j'aurais fait un backflip, mais... Enfin, tenté au moins, mais là... C'est pas moi. Thank you.
No, it's not an X-Max. Voilà, on est comme les vrais, tu vois, ils avancent à quoi, 50 km/h max dans les stadiums. Hein. Par contre, phénoménal. Et avec 3 fois rien d'accès et de place, ça peut te faire des sauts d'enfer. Nice control. So this is what you cannot do with the clutch drive. With the clutch in, you cannot just hold the torque really.
Monster truck, baby! Bonjour. Si vous avez une corde, je vous emmène. Just crazy, I'd still not stripped the plastic gear. So that means we have the right amount between power and mechanical effort. Thank you.
Les lipos sont tièdes. C'est génial. Bon, après on va pas vite hein, forcément. Moteur, on est tranquille, je peux toujours laisser la main dessus, après c'est pas grave, hein. Ça prend jusqu'à 80 degrés sans brancher. Ouais, on est bien. Un petit 60. Ah ouais, c'est pas le X-Max hein. On va pas y aller à fond. Also wir brauchen auch ein bisschen mehr Gewicht nach vorne. Machen wir da, wenn wir definitive Lipo-Montage machen. Das ist natürlich zu viel Gewicht nach hinten. Alors, on va essayer un truc. Oh la vache! Bonjour! Le machin il ralentit même pas, il t'emmène direct. Il n'est pas si instable que ça, hein. On a vraiment juste. On s'est cassé la figure sur les. Parce qu'on part trop haut du nez. Und siehst du, mit dem Dämpfer so eingestellt. Und ist ja trotz Bodenwellen so relativ gut. Also wir sind jetzt nur auf die Nase geflogen beim zu viel Gas geben beim Hochfahren. So, das war's. Gotta catch it. Yeah. Alors il faudra régler aussi un peu plus de freins, je voulais pas les faire trop brutales au début. Et là ils se sont rodés un petit peu. Ouais, on a un peu de mal avec les freins là, on va augmenter ça.
That's why I love electric. So, we're gonna make a quick test. So I put all my weight. I weigh about 19 kilograms on the truck, and the truck takes me with him, but I cannot stand really good on the truck, but he has really no problem to take my whole weight. It's about 190 lbs, and he just goes away and make me fall down. And this is also all about monster truck, just short, full power kicks. Increase distance. Not high end speed. Et ça, c'est juste du monster truck, les gars. Pas de grosse VMAX, juste des accélérations brutales et des décollages. Et des ratés. C'est là que t'as l'avantage d'avoir l'électrique à marche avant arrière direct par rapport à là qu'une boîte, t'as aucune chance de t'en retirer en marche arrière. Bonjour. Oui. Alors, il s'est tout simplement éteint.
Les batteries sont toujours tièdes. Et j'ai toujours la main sur les moteurs. Also der Ausschaltknopf hat sich einfach ausgeschaltet, deswegen mag ich diese Knöpfe nicht. Bei mir ist Strom drauf oder Strom ab, aber kein Ausschaltknopf dran. Ça, c'était limite. Ha ha ha.
J'ai essayé, j'arrive à me mettre dessus, il part quand même. De rien. This guy is gonna be the longest Reminator rim you never see on all the YouTube, even not in two-stroke. The longest run I see in two-stroke is about 8 minutes. We have a 20-minute video on brushless, but it's only just talking, not driving. There it is, guys. We are not in cutoff, but look at what happens. We maybe bent a shock shaft. Yeah. That's boring. Yeah, the shaft is absolutely totally bent. So we have to stop. I don't want to destroy any more from the truck, but it's really a joke. The lipos are really, really not hot. So I'm gonna unplug one motor and then unplug the second one. I can do it from underneath, yes. So, Jungs, leider ist ein Dämpferachse total krumm, aber das Ding fährt immer noch locker mit Strom. wie lange sind wir jetzt gefahren? Wir werden das mal gucken. Das ist der längste Reminator Run, die ihr je gesehen habt, Jungs. 3,25 Stunden haben wir jetzt da. Ich hoffe, das Ding hat richtig rumgefilmt. Ja, die Batterie der GoPro ist auch fast leer. So lange haben wir gefahren. Und die Batterie ist immer noch nicht leer. Und ich bin voll Gummi gefahren auf jede gerade Strecke. Also jetzt, hä? Wer hat es jetzt im Griff mit dem Brushes? Ich oder nicht ich? Das macht auch so eine Freude, Jungs. Schade, dass der Dämpfer uns aufgegeben hat. Ich wäre gern bis zum Cutoff gegangen, um zu sehen, was da passiert. Also wie lang das wir gesamt fahren könnten. Bon les gars, une tige d'un morteau tordu, 45 minutes de run. Les batteries sont pas vides. J'ai fait évidemment après 2-3 petits tests dans le garage, hein, parce qu'il a roulé tellement doucement, donc j'ai essayé de marcher avant arrière dans le garage pour voir le setup des varios. On va mettre plus de Vmax, on va augmenter dans la transmission l'étagement, on va augmenter un peu les freins. Mais là, je vais avoir 45 minutes sans que les batteries soient vides. Et sans chauffe, hein. Il fait quand même 25 degrés là dehors, les mains tranquilles sur les moteurs, on a 55 degrés peut-être au moteur 60, une farce. Donc ouais, tout ça premier coup, sans bug, hasard ou je maîtrise, hein. Salut les mecs.